Zombie on boss. Salut No Way. Alors les Aichef, qu'est-ce que c'est? Les Aichef, c'est le nom de... Donc on va leur prendre... Peut-être pas commencer direct par les Aichef. En fait, on est un groupe de joueurs qui jouent à Arma 3 en version jeu de rôle, roleplay. On a un personnage et on va jouer, on va incarner ce personnage pour y jouer, pour le jouer en fait, là, jouer sa vie. Et les Aichef, c'est le nom de notre famille, de tout de ce qu'on représente. On est assez nombreux, là on est 13 actuellement dans l'appartement qu'on a loué pour ce week-end. On est 13, on a décidé de se faire une en attendant du serveur, tu l'as aussi toi Andres le... Bah je sais pas, j'essaie de recommencer mais j'ai pas envie, ouais. Moi j'ai en attente du serveur, ouais. J'ai résilié. Attends, ouais bah voilà. Donc les Aichef, non je joue pas que sur Arma 3, la preuve hein, là, bon là du coup je pour les 24 heures je vais pas stream 24 heures d'Arma 3 hein, mais on joue sur plein de choses, mais notre roleplay de notre ouais ça notre rôle, les personnages qu'on incarne se passe sur Arma 3. Les Aichef c'est une famille Arma 3. Quoi d'autre? Bah y a du, on fait du LOL, du Counter-Strike. Alors en ce moment on est pas mal sur GTA vu qu'il vient de sortir. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Il y en a certains qui se sont mis à Heroes of the Storm, donc c'est pas mal, j'ai bien aimé aussi. Un peu tous les jeux quoi au final. Mais les Aichef représentent vraiment la famille Arma 3. L'expérience c'est pas la même hein, en très difficile et en difficile. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que j'étais en train de regarder. Ouais, t'as dû croiser Pavel, pantoufle. Sur je sais plus quoi, attends, je vais lui demander. Pantoufle, c'était quoi le serveur RP de Garry's Mod que, sur lequel tu jouais? I Kill You. C'était le nom du serveur I Kill You. D'accord. Ah. Non, mais c'était pour savoir parce que il y a un viewer là qui a croisé apparemment des Aichef sur Garry's Mod. Qui apparemment a croisé des Aichef sur Garry's Mod. C'est des fakes. Bon. Bon voilà, c'était des fakes. J'ai même pas eu le temps de voir ce que t'avais choisi, la difficulté. Bah, j'ai repris la même. On est avec un mec qui a un peu pas mieux passé. Ok. Ouais, sûrement des fakes. Ouais, bon, là, t'as tout le monde qui est parti pioncer. Moi, je suis là, coucou, au milieu. On a une table au fond là-bas avec 4 PC. Un cinquième là, 6 ici, le mien 7, et en fait là où il y a la table où il y a la cam, il y a encore 4 PC, et derrière la cam il y a un autre PC encore. Et là actuellement ils sont dans le salon, en train de... Hop. Parlementer. En train de parlementer, exactement. Allez, crucifier ces gars-là. Ah oui, surtout que si tu connaissais les... Enfin... Les Aichef sont connus pour leur leur tact et leur sens du roleplay. Où on est, disons qu'on est un groupe terroriste ultra violent. C'est la façon dont on est représenté. Je dis bien dans le jeu, hein, parce que sinon on est des gens comme tout le monde. Lucas Aichef, ah non c'est un gros fake ça, ouais. Je connais pas quoi, les Aichef c'est Ulyanov ou Pavel mais rien d'autre. Ouais. Ah mais il va où lui? Oh le mec c'est ouf, regarde. Ouais mais il doit avoir les skills pour avoir. Ah non mais j'ai vu il était à 3 en fufu là tu sais. Ouais mais oh, la cam. Il a, dis-toi que... Ouais c'est moi. Et il a autant d'armure que moi avec ma tenue complète en fait. Sérieux? Avec les skills, au bout d'un moment t'arrives à avoir un truc
Ah, c'est cheaté! Et des trucs tip-top quoi. Du coup, elle est où la salle? Elle est. Elle est là, non? Là, y'a un truc là. De la carte. Tiens! Tiens, j'ai envie de te buter, toi. T'as de la chance. Ouais. No, my lord. No, my lord. Je vais me caler en haut là au niveau de. Ici, je suis pas mal, j'ai une belle vue sur l'entrée, je peux voir les flics arriver. Yep. Là, je vais voir lui là. Oh, il me fait peur lui. Non, on va recommencer encore là. J'y vais. Ah bah le mec il le fait. Ah oh, il est cool. C'est bon? Ouais, il le fait le gars. Voilà, toi aussi j'ai écouté ça un peu plus. Hein. Bah le mec non, il sait ce qu'il fait. Balle, putain. C'est parti. Hop, des shields en moins. Faut que je garde mes balles pour les mecs relous, c'est genre les shields et tout. Là je les claque n'importe comment sur des randoms. Oh, oh lol. Et où le noir là? Oh non, plus de balles, fuck. Ah, je prends cher quand même. Le mec de FR qui avait tout pas tous les ordinateurs. Ouais. Tu as trouvé un reste PC? Non, pas encore. Ok. Quatre dernières balles, hein, donc je vais essayer de les garder. Ah, il y a un peu sur le cadavre. Y'a plus personne qui fait sonner les PC aussi. Ouais ouais. Attends, j'y vais. Là. Je serais plus utile ici que sur le terrain. Ok, ça sonne. Là et relance, c'est bon. Ouais, j'ai.
J'espère qu'il va le faire avant que l'autre il le fasse. Tiens, je te mets des coups de couteau moi. Ah mais je vais lui poser, en bas de la... Oh là là, il y a du peuple hein. Je suis sur le toit. Ok. Il arrive le cochon ou pas? Ça va pas tarder. Je viens cloqueur, je crois. Voilà. Ah, j'ai plus de balles dans le fringue. Faut que je pose des muscles. Ah mais bâtard, il est où? Hein? Bah à 15h. Il a commencé à 15h et finira à 15h. Et j'irai jusqu'au bout de où je peux aller. Ah, ah mais, je... mais non. Eh bisous Badji. Je les pose où Andrés les munitions? Posé dans un bureau là. Ok. Non, par là. Ok, ok, je les pose là. Oh le carnage dans les escaliers mon gars. Ah, j'y suis allé comme un bourrin quoi avec le machin. Il y a des hameaux là-bas, ouais, je pense qu'ils ont. Oh, il y a du peuple là. Je veux des shields là. À 30 secondes avant l'ouverture d'un. Non, restez là, c'est bien. C'est les viewers qui motivent à rester. Tiens, toute ta gueule toi. Tiens, toi aussi. Trois secondes. Tu le vois où le temps? C'est au-dessus de marqué au-dessus de la porte. Ah ouais, d'accord. Oh putain. Ouais. Ah, faut aller au toit là. Mais tout à l'heure fallait pas aller au toit. Ouais mais ça dépend. D'accord, je comprends rien mais ok. Je te suis, vas-y, je suis dans tes. Là il faut aller activer la grue. Ok. Ah ouais. Pour le cochon. Ah c'est pour ça tout à l'heure le type il était déjà au cochon en fait. J'aime pas les oiseaux du matin. Ah ça marche si je marche dessus hein. Oh quel con.
Ouais. Je fais le débile. J'ai voulu marcher, tu sais, sur la verrière. Sauf qu'en fait, ça, il le considère pas comme une texture que tu sur laquelle tu peux marcher. Donc je suis tombé de là et. Ouais. Recule direct. Hein? Sur la page du stream. Ah mais non mais il l'a pas lâché encore. Ah donc c'est mort quoi. Ouais c'est mort. Arrête d'aller là. Oh il m'est dit plus. Guys, operate the crane. Get it into position. What? Oh. Oh mais lol. Oh je suis mort. C'est quoi ce jeu? Quoi? C'est le matelas gonflable de d'Antonio. Lol, on est sur quelle map? C'est le Big Bank ou je sais pas quoi. Ouais je crois que c'est l'aspirateur. Ah tu te fais tirer dessus en fait. Ouais il a raison, fais gaffe au sniper. Mais moi je suis vraiment mort bêtement quoi. Sniper à gauche mec.
y a un dozer qui arrive derrière, on voit ça. Je crois que je suis trop fatigué en fait. Je vais faire un petit jeu solo, pépère. Ouais. Pour ça. Ok. Je me les caille un peu par contre. Non, c'est juste que j'ai pas pensé à prendre un. Comment? Un pull. Puis j'ai pris deux t-shirts quoi. Et je me suis dit, bah, avec les PC, il va faire chaud quoi. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme jeu du coup? Je vais tester KSP tout à l'heure, mais il est planté. Je sais pas si c'est à cause du stream ou pas. Oh, la cam, je vais éteindre la cam parce que ça sert à rien, là il fait tout noir. Regarde, hey, franchement je mets la cam, regarde, tu vois rien quoi. Bonne nuit Andrés. Je la remettrai tout à l'heure la cam. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme jeu? J'avais dit quoi tout à l'heure comme jeu? Oh, je me rappelle pas. J'ai quoi sur Battle.net de dispo? Ouais, pas grand chose. Ouais, je vais faire un. Oh, c'est ouf, j'ai trop de jeux en fait. Je sais pas à quoi jouer. C'est un truc de ouf. Je vais me faire un Elite, tiens. Elite Dangerous. Je vais retourner dessus. Connexion. Tac. Bah, Mario, pareil. Hein. Il est en live là, il continue le live ou? Ah oui. Ah merde, attends, ça bugouille. D'ailleurs, toc. Ça me fait penser, on vient de terminer la 15e heure. C'est pas mal quand même. Hop, modifier. Je fais un truc, mais vraiment tellement complètement à l'arrache quoi. Toc, Elite. Toi, la scène, c'est un truc à l'arrache quoi. J'ai mis vite fait le chat, le nombre d'heures et puis. Ouais, bah ouais. Bah ouais, je me dis, c'est. Bah, j'aurais bien fait un peu de GTA, tu vois. Le problème de GTA, c'est que avec le stream, ça rame quoi. Ouais, bah en fait, c'est le. Ça lag un peu moins que si j'étais chez moi, mais ça lag quand même parce que je.
Je consomme à mort sur le CPU qui est déjà bien à fond au taquet avec GTA quoi. Ouais, ils sont tous partis dormir sauf Andrés qui reste avec moi l'espace de encore 3 minutes. Voilà, tu vois, sur les 32 gigas, je suis à 15,1, tu vois, ce marqué en dessous. Donc il me reste, là je suis à la moitié à peu près. Dans 800 mégas, je suis à la moitié de la clé. Ouais, bah ouais. Et puis toi, on est déjà à 15h, quoi. Alors, contact, normalement, je me suis tout fait payer. Ouais. Toi, ça qui est trop, c'est que le clavier, le jeu. Pas les couilles. Bah parce que là j'ai pas de place, tu vois. Chez moi normalement le tapis de souris je le mets au lieu de le mettre comme ça, je le mets enfin au lieu de le mettre comme ça, je le mets comme ça. Là non, je m'en sers pas. Toi je peux m'en servir ici, mais sinon tu vois, je peux même hop, je l'éteins et voilà quoi. Non, là la souris je peux faire tout avec le. En fait le petit bidule ici il me fait au bas et puis s'il y a besoin tu vois si je fais retour il peut me faire le gauche-droite en même temps et il me permet quand j'appuie dessus de valider. Là derrière j'ai un. Tu vois quand je le tourne ici, je suis en train de faire un détail de mon joystick. Ici j'ai deux boutons tu vois comme. Donc quand si je vais sur un menu là tu vois j'ai différents onglets. Donc j'appuie sur les boutons pour aller à l'onglet précédent ou là pour aller à l'onglet suivant. Donc tu vois pour naviguer, puis après bah pareil je descends avec le machin, etc. Ça c'est ma cible que je vais avoir en face de moi à mes 12 heures. Là bah le tir hein, normal. Ici le rouge je vais avoir le tir secondaire. Là gauche ou droite ça va me faire tourner le vaisseau à gauche ou à droite parce que le joystick peut pas tourner sur lui-même. Voilà. Après il y en a qui la plupart le peuvent mais lui non. Après le bouton qui est ici, je peux le faire aussi au bas. En fait, au bas, ça va soit choisir le sous-système précédent ou suivant de la cible que j'ai choisie. Donc ça, pour vraiment attaquer, tu vois, sur un gros vaisseau, je vais attaquer le générateur, ce qui va prendre plus cher et du coup, le vaisseau va exploser plus vite. Là, vers le haut, c'est la cible la plus menaçante, la plus proche, un truc comme ça, tu vois. Donc genre les missiles, les trucs comme ça. Gauche et droite, ça va être les ennemis. Suivant précédent. Après ce truc là quand je suis en vol, donc quand je suis en gros quand je suis comme ça, bon là j'ai pas de vaisseau mais enfin j'ai le menu ici mais en gros si je fais gauche ou droite ça me sélectionne le vaisseau suivant ou précédent, peu importe s'il soit ennemi, ami, etc. Ça me sélectionne le vaisseau précédent suivant. Et après tout se passe ici quoi, sur l'autre partie. Et alors là j'ai là ici ta 6 boutons. Donc c'est en avant, en arrière, en avant bloqué, en arrière bloqué, en avant bloqué. Voilà, tu vois, du coup ça me l'a désactivé. Ou alors en arrière, ça m'ouvre la carte de la galaxie. Et là par contre j'ai besoin de la souris. C'est le seul truc où j'ai besoin de la souris. Et là, voilà quoi. Ouais. Là j'ai un autre bouton. Je t'ai pas montré. Enfin, tu vois, il est là. J'ai un autre bouton ici qui en fait me permet de régler ça, tu vois, si je le mets vers le bas ça me met en par défaut. Voilà, en fait j'alloue, là c'est par défaut donc c'est équilibré, 2, 2, 2. J'ai 6 points à mettre. Soit je fais vers la gauche et je mets dans système, et tu vois ça sacrifie les autres. Soit je mets dans moteur, soit je mets dans armement. Et quand je mets dans armement, bah du coup la barre quand je tire là, elle se recharge plus vite que si j'étais à 2 par exemple. Et si je mets. Je peux faire 0. Je peux faire 0, 3, 3. Enfin, tu vois, je peux faire 3, 3, 0. Enfin, vraiment. Ah! Oui, je crois avoir, mais j'ai pas le nom. T'inquiète, c'est pas grave. Et après, tu vois, tout se passe ici. Donc, je vais avoir quand je suis en vol, j'ai un radar ici en fait. Et avec ça, tu vois, ça, en gros, je zoome ou je dézoome. Tu vois, c'est pas grand chose, mais bon, je me suis dit, tant qu'à le mettre, je le mets quoi. Si je fais ce truc là, alors regarde,
sur mon vaisseau en fait. Je sais pas si on va arriver à le voir. Mais si tu vois là, j'ai une petite trappe et ça c'est pour récupérer la cargaison qui est en l'air. En fait, en le poussant ce truc là vers l'avant, ça ouvre le cargo. Si je le referme, enfin si je le rebaisse, ça se referme. Donc du coup, je le pousse, il s'ouvre, et si je pousse celui d'à côté et que j'ai une cargaison, ça largue toute la cargaison. Et après, toc, et je referme. Là, j'ai mis vers le bas. Quand je suis en communication vocale dans le jeu, ça mute le micro. Tu vois, c'est con, mais je le mets, ça mute, je le remets en normal, ça le démute. Tu vois, c'est des trucs cons, mais ça peut servir. Ouais. J'ai le bouton, j'ai un bouton ici qui me sert à sortir... mon armement, donc ça déploie ce truc là. C'est trop, je vais te montrer, tu vois, c'est comment ça s'ouvre, c'est trop bien fait. C'est là où il y a le gros canon, ouais. Ouais, tu vois, en fait, c'est comme ça quand c'est rangé. Ici, le bouton gris, c'est pour sortir mes trains d'atterrissage. Après, ce truc là, tiens, attends, ça va le faire ou pas? Ah, salope, elle le fait, elle le dit pas. Ouais, en fait, quand il est vers le bas. C'est normal, en fait, ça, c'est la correction rotationnelle. Donc là, vu que je suis dans une station qui tourne sur elle-même, enfin tu sais, elle tourne comme ça, bah du coup, quand je suis à l'intérieur, ça corrige cette correction et j'ai l'impression de pas. En fait, je prends la vitesse de rotation du truc. Du coup, le vaisseau, voilà, du coup, si le truc il fait comme ça. Et bah mon vaisseau va suivre la même trajectoire. Et si je le mets vers l'avant, et bah mon vaisseau va être comme ça. Et le truc il va bouger comme ça. Du coup pour se garer c'est super chiant. Et des fois j'oublie de l'enlever parce qu'en fait en vol, ce bouton là il désactive un module. Donc il désactive la correction rotationnelle qui fait un bruit rémanent dans l'habitacle. Et en fait en le désactivant, alors sur ce vaisseau là moins, mais sur le vaisseau que j'avais avant, quand tu le désactives, tu entends du vide. Tu entends un silence. Et c'est juste kiffant d'entendre un silence, quoi. Après, bah là, t'as le panneau de gauche, tu vois, où qui t'ouvre le panneau de gauche. Et puis le bouton droit, ça ouvre le panneau de droite, où j'ai tout le système de mon vaisseau. Après, les trucs inutiles, mais là, le menu de chat est encore plus inutile. Celui-là, tac, c'est le menu échappe. Bah ouais, non. Après tu vois si je veux déplacer la vue avec la souris, bah j'ai un bouton ici. Alors c'est un stick, tu vois, mais où je peux le déplacer, j'ai 8 directions. Mais et je peux en même temps appuyer dessus. Et quand j'appuie dessus, soit ma souris fonctionne, soit j'ai un truc là, regarde. Alors c'est ultra sensible, mais tu vois ça. Là j'ai un autre bouton ici, pareil, je peux régler des trucs, pareil, un truc à 8 directions. Le bouton là qui me sert à déplacer comme ça, je peux appuyer dessus, ça va me déclencher, ça va pas se voir. En fait j'ai dans mes modules, j'ai une réserve de cellules d'énergie, donc ça j'en ai une enclenchée, enfin une prête à enclencher et 3 en réserve. Et en fait ce truc là, ça va quand tu l'enclenches, t'as 5 secondes avant que ça te recharge le bouclier, mais... presque en instant, quoi, et presque la totalité du bouclier, sachant que c'est un bouclier qui est assez costaud à tomber. Déjà quand t'arrives à enlever 2 barres, moi je commence à me dire bon, j'ai mon majeur qui se place tout doucement sur le bouton, tu vois, prêt à appuyer dessus, et dès que je vois que je prends cher, j'appuie dessus et là t'entends et là pouf, t'as les 3 barres qui reviennent bleues et les mecs ils sont deck, quoi. Derrière, je sais pas si tu le verras. Non, tu le verras pas. Oui, ça c'est par en deux, ouais. Alors ça se voit pas, mais ici derrière j'ai un bouton qui est toujours sur mon petit doigt, c'est le boost. Donc je fais le boost, ça me consomme ici un peu du moteur. Et par contre, je bombarde. Et après j'ai deux boutons qui sont inutiles, enfin, moi qui sont inutiles. J'ai un bouton sur le côté, si je le mets vers arrière, tu vois, ça fait un dézoom. Mais je trouve que ça sert à rien. Et le truc encore plus inutile, si je le mets vers l'avant, ça allume les phares. putain. Ouais, je merci Monster. Ouais, j'ai un Vulture, il m'a coûté un peu cher. Hop là. Et
Ça, si je fais sérieux, ça support. Je vais le faire à la souris parce que ça va aller vite. T'as vu comment il s'ouvre le bordel? Et là, pff, paye ton canon laser quoi. Ça me fait kiffer comment il s'ouvre. Ah merde, il a pas eu le temps de se rentrer. Tac, ça c'est bon. Donc, équipement. T'as eu le truc volé, mais. Et puis quand tu. Franchement, quand tu vois un bordel comme ça, enfin, je sais que je le tenterai pas. Maintenant que je connais sa puissance et son. Je sais comment il est, je sais que je tenterai pas, sauf si je suis sûr d'avoir un truc qui vraiment tient là, et très costaud. Parce que là, le vaisseau il coûte 4 millions de bases, plus l'équipement que tu rajoutes derrière. Et dans les statistiques, tu vois, donc actif actuel, si on enlève les 8 millions que j'ai. Mon vaisseau en gros il en coûte 16 là pour l'instant avec tout l'équipement. Tu as 4 à l'achat plus 12 derrière d'équipement quoi. Crédit dépensé équipement. Bah, alors le truc c'est qu'il additionne, tu sais, si je vais acheter un équipement et que je vais le revendre, bah il va me le compter comme crédit dépensé. Et si je le rachète derrière, bah en fait il le comptera double. Donc parce qu'il y a des trucs, je les ai rachetés, vendus, j'ai fait des tests dans tous les sens et tu revends, ah, tu vends au prix que t'as acheté donc. Yep, bah si tu. Je sais pas où est s'éteint la lumière là, mais. Ouais, tu sais, moi quand je suis dans le noir, je suis bien donc. Yep. Allez, bisous. Bonne nuit, mec. Ah zut, je voulais faire. Tac. La souris, j'en ai pas besoin. Alors je vais parler doucement parce qu'ils sont quand même 12 à dormir, donc je vais éviter de les réveiller. C'est parti. On va aller faire un peu de. On va aller chasser un peu les primes, les méchants. On va essayer de pas se fail comme tout à l'heure, je me suis fait 3 fois de suite. Deux ou trois fois de suite. Landing gear retracted. Ah, allez la planète. Alors je sais pas si tu connais Monster Alex Elite dans le jeu. Si t'as des questions, n'hésite pas à les poser, je suis là pour ça. Là on est un peu en mode comme chez nous. Pour les 20h de live, ouais je sais pas. Faut qu'il va falloir que je tienne le coup pour les 20h mais. Ouais y'a moyen je pense. Je me sens bien parti donc y'a moyen. Faire une fête et tout, enfin une danse et tout, je sais pas. Mais déjà, s'il arrive à tenir les 24 heures, ça serait cool. Je vais faire un peu de 8-8. J'aurais bien été faire du. Ouais, je suis bidon à City Skyline, faire des villes. Je fais n'importe quoi sur mes villes donc pourquoi pas faire n'importe quoi à la limite. Ça peut être marrant. J'ai pas beaucoup de jeux en solo. Enfin, si j'en ai plein, mais. Un jeu en solo et qu'il soit intéressant, je les ai tous finis donc. Alors, on dézoome un peu la carte. Voilà. Premier client. Bon, je vais pas regarder combien il rapporte. C'est la surprise. Donc là je le scanne pour voir s'il a des primes en plus sur sa tête pour gagner plus d'argent en fait. Et maintenant qu'il est scanné,
C'est pas mal du tout. Je pense que ça va être assez calme quand même là, vu l'heure. Je sais pas si le jeu prend en compte l'heure de l'heure environnementale, si je puis dire. Putain, je pète la forme, c'est ouf. J'ai juste froid. Je vais aller fermer la... Si tu fais les 24 heures après, tu vas dormir pendant une semaine. Non, franchement, bon, tu sais, non, je pense pas. Bon, surtout que j'ai des choses à faire la semaine prochaine. Je me suis pris le mardi pour vraiment me reposer en fait du week-end. Sinon, non, je vais dormir dimanche comme tout le monde. Peut-être que j'irai dormir à faire une sieste entre deux, mais. Des sessions de prime pas le top quoi. Niki Thomas. Under attack. Ouais, attache-moi, c'est cool. C'est que du Sidewinder, ça rapporte rien. Les mecs. Ils me rendent fou, les bots. Non, pas en ce moment. Ça aide. Non, en ce moment, je bosse pas, donc je me permets de ce genre de folie aussi, quoi. Oh, lui.
plus fait défoncer. Bon, c'est vraiment vraiment light le farm quoi. Oh oui, toi, je te sens bien, toi. Gaius Maltar. Oh non, Cassie Vierge. Mais sérieux, quoi. Bon, bah. Tant pis. J'ai envie de dire tant pis. Attends, elle est où là? Ah, attends, je vais mettre en mode. Vraiment en mode pépère. Vu qu'il y a personne, je reviens. Je vais fermer les fenêtres et tout et tout. Heureux. Alors, tac. Sur quel délire j'ai trouvé mon Twitch? Bonne question. On me l'a jamais posé. Alors. Oh, on est bien. Le 27, c'est parce que le nom était déjà pris. Du coup, j'ai rajouté le département derrière. Je t'avouerai que s'il pouvait ne pas y avoir le 27, ça m'arrangerait. Pour ce qui est du Barbie, en fait, c'était, comment dirais-je, il y a très longtemps, je jouais un MMO avec un pote, et on avait voulu faire un duo de personnages furtifs. Je sais plus. Hop, enfin, on n'en parle plus. On avait voulu faire un duo de personnages furtifs et du coup j'essayais de chercher un nom qui plutôt féminin parce que j'avais fait un personnage féminin qui évoquait un peu le symbole de la poupée, trucs comme ça, et j'ai pensé à Barbie, la poupée Barbie, mais que j'ai en fait. Ah, je vais la rater. Mais je voulais pas utiliser avec le i parce que pas, enfin, pour des raisons de droit de droit à l'image, etc. Par précaution, je préférais utiliser le y. Puis du coup, c'est resté et ça fait des années que j'utilise ce pseudo. Et j'aime bien. Ça me fait marrer. Vu que en plus j'aime bien le rose, ça peut se voir, hein. c'est pas pour faire joli, hein, que j'ai mis du rose, c'est par rapport à mon pseudo, hein. C'est vraiment parce que j'aime beaucoup cette couleur, et du coup je sais que Barbie allait très bien avec la couleur. Non. Pourquoi? Ah, il vient de s'enfuir en fait, le celui que j'ai essayé d'attaquer. J'ai bien les boules. Ouais, vas-y, attaque-moi, fais-toi plaisir. Tiens, ici c'est gratuit. Non, pas du tout. Flight assist off. Scan detected. Flight assist off.
Mais... Je savais bien qu'il était suspect. Incroyable quoi, ça me déprime vraiment quand je vois que des fois je fais des sessions de malade mental et que là c'est nul à chier. Non, mais et les types me scannent quoi. Ah, Zalazar. Ouais, un eagle. Pas de soucis. Bon café. Moi j'ai le coca que. Je sais pas où je l'ai. Je crois que je l'ai rangé. Ça, j'ai le frigo qui est derrière la chaise. Juste attendre le bras. Ça, c'est cool. Salut toi. Target shields offline.
Et toute la sécurité là qui est limite sur l'escorte quoi. Putain, y'a pas de gros vaisseaux là, s'il vous plaît. On s'ennuie. Ah voilà, Kawan the Old. Ah, pff, ça y est. On va prendre quand même. Hein. On va bouger. Tiens, hop, zo. Moi j'ai fait là d'ailleurs, je peux regarder. Ok, je crois pas voir. Extérieur, je vais aller retourner voir par là-bas, il y en avait un tout à l'heure. Site extraction de ressources, allez hop, c'est parti. Ah, c'est dans le coin sombre, j'aime pas dans le coin sombre, dégage.
J'ai envie de tenter le coup là quand même. Je sais ce que ça va être et ça me tente. Et c'est derrière. Oh, fuck. Fuck. Arrêt d'urgence, voilà. Ah, c'est trop nul. Allez hop, on y va. Et heureux. J'espère que ton café était bon. Je me suis mis un petit truc sur le dos, enfin ma veste, mon manteau. Parce que j'avais trop froid. J'ai décidé de changer d'endroit entre temps, Alex. Parce que je me faisais chier à l'autre. Que des petits vaisseaux de merde. Je veux du combat, je veux du défi. Du challenge. Bonjour. Mais merde, c'est que je vais t'aider. Toi. Yes. Power plant capacity exceeded. Non, pas encore. On pourra le faire plus tard, on va mise à jour, on y arrivera. On pourra le faire. Pour l'instant, on peut pas. Oh putain, le bourrin avec ses lasers, le mec. Lui vient farmer, c'est sûr. Ouais. Toi, oh, toi non. Toi, tu viens pas farmer. Ouais, y a pas de souci. Hein. Je suis un peu claqué, mais je vais tenir. Je vais tenir le plus possible. Bonjour monsieur. Flight assist off.
Non mais ça ils ont une dehors là, faut arrêter. Ça je par contre je ne le dévoilerai pas. On est juste dans, on est dans Lyon, proche de la. C'est la Saône, c'est ça la Saône. Une rivière quoi, ou un fleuve. Je dis une rivière, j'en sais rien mais. Oh. Je sais qu'on est à proximité de. Comment ça s'appelle? Bah de l'autoroute, voilà. Okay, on cherchait le mot, mais. On est pas loin de l'autoroute, parce qu'en fait on est sorti de l'autoroute et on est arrivé 5 minutes après quoi. Attaquer lui. Je suis caché dans mon rocher. Je suis en train de craquer là. Non. Il y a rien. Putain, c'est ouf. Il y a pas un seul gros vaisseau quoi. Vas-y, y'a pas une guerre civile dans le coin. Merde, quel débile. Shields offline. Non, c'est pas ça, c'est par rapport au... à la personne à qui on a loué l'appartement. Quoi. Ok, y a pas du tout de quoi farmer ici. Bon, merde, quel con. Y'a rien. C'est ouf quoi. Ah, peut-être des choses là. C'est quoi l'indépendant? C'est quoi les systèmes? Ouais. Oh, c'est plutôt. Il y a la fédération, il y a l'empire. Ah oh, ouais. Oh merde, j'ai pas vu ce que c'était. Fait chier. C'est un truc en jaune. C'était eux.
90, 162. C'est ça. 90, 162. Zou et seizième heure de terminer. On y arrive doucement, mais sûrement. Donc, ça on s'en fout, ça on s'en fout. Il est supprimé. Toc. J'ai trop de choses ouvertes. Je vais fermer. Je vous demande deux petites secondes. Je ferme tous les trucs superflus. Toc toc, ça j'en m'en fous, ça aussi, j'ai trop de d'onglets ouverts en fait. Toc toc. Voilà, on est bien là. Donc. Je fais quoi la plupart du temps en live? La plupart du temps je live des jeux. Là vu que c'est un événement assez particulier, je live un peu tout et n'importe quoi. Non, la plupart du temps je stream des jeux et puis c'est assez aléatoire là. Beaucoup de Arma, un peu de League of Legends aussi. J'ai essayé Battlefield. En fait le problème c'est que là j'utilise une clé 4G pour stream. Et chez moi j'ai une connexion tellement pourrave que le stream mais c'est moche quoi. La qualité elle est vraiment immonde. C'est une horreur. Donc je stream ce que je peux stream. Genre Counter c'est mort. GTA c'est presque. Enfin c'est bon, c'est mort aussi. Après je sais que la dernière fois j'ai stream. Juste de stream en mangeant un kebab. Bon après je suis parti jouer mais le stream il a commencé par moi en train de bouffer mon kebab. Waouh, j'aime beaucoup cette planète, enfin, ce système. On va avoir du site d'extraction de ressources, bah voilà, c'est bon ça, c'est pas où faut aller. Hop là. Non, je veux pas voir un soleil. Ah, c'est bon. Après, je sais que la dernière fois j'ai fait un live sur Elite avec pas mal de personnes qui connaissaient pas trop, donc j'ai pris mon temps pour expliquer un petit peu comment ça fonctionnait, ce qu'il y avait à faire, etc. Je trouve ça assez intéressant. D'expliquer un peu, parce que c'est vrai que c'est le monde de l'espace, moi c'est, je trouve ça tellement magnifique et passionnant que j'ai envie de faire partager ça à tout le monde. Bon, est-ce qu'on va être plus chanceux? C'est ça la grande question. C'est un petit site qui a l'air mignon tout plein et qu'on va exploiter.
Allez, hop, c'est parti. Ouh, vachement brumeux le coin, je trouve. Toi, tu es ma victime numéro 1 déjà. Qu'est-ce que je transporte? Des gros canons laser. Oh, pantoufle. Oh, pantoufle quoi. Ouais, j'aimerais bien pouvoir y rejouer, mais je peux pas pour l'instant. J'ai trouvé ça par hasard sur internet et vu que je comptais me faire un truc comme ça, bah j'ai craqué. J'ai pratiquement tout acheté en une fois. Bon, la pantoufle, tu dors pas encore? C'est quoi ce bordel? Et je termine le mot pour tout faire. Je suis en mode je farm. Putain, mais les mecs, please quoi, donne-moi des primes. Really? Non. Les autorités, non, autorité, on en a deux là. Ça rapporte plus rien, quoi, c'est ouf. Je croise personne, que des petits vaisseaux de merde là. Assist on.
Shields offline. Flight assist off. Flight assist on. Target destroyed. Scan detected. Ouais, bah ça me saoule, voilà. Que les choses soient claires. Je suis en train de me gaver là de... J'ai... Voilà, je comprends. Y'a pas un vaisseau qui est... dur à buter quoi. Non, pas vraiment. Je désespère un peu. Je vais aller voir juste à côté, il y en avait un côté. Le radar il est vide. Putain, c'est ouf quoi. Power plant capacity exceeded. Rotational correction enabled. Rotational correction disabled. Ouh, y'a un vaisseau qui va être gentil, je suis sûr. Ah non, y'a des vaisseaux méchants là, tiens. Ouais, toi. Ou toi. Non. Non, les mecs. Mais non, vous pouvez pas farmer. Please, quoi, putain, c'est ouf, là. Incroyable, c'est incroyable. Je sais pas quoi faire. Là, honnêtement, je sais vraiment pas quoi faire. Quoi. Je pense que je vais rentrer à ma base et changer de jeu parce que là, qu'est-ce qu'il fait faire. Je me suis... Non mais allô. Non mais allô quoi. Oui, je suis gentil. Bonjour. Python. Mais il va être gentil. Oh non, il est pas. J'ai pas gentil. Oh. Enfin quoi. Thank you.
ouais. C'est pas mal. On va dire qu'il peut mieux faire. Ouais, je vais aller à la balise. Généralement ça marche bien la balise. Je prends à boire. Ready to engage. Ah, 150 000 quand même, je viens de me faire. Hein. Plus 12 000. Pas mal du tout en fait. Le. Bon, le 75 000 du Python, ça a pas mal aidé quand même. J'avoue que là. Sans ça, ça m'aurait saoulé. J'ai le pied sur la multiprise. Ça m'embête un peu. Kiff double soleil là. Merde, j'ai raté ma balise, mais ça continue. Là ça va être intéressant de fight à la balise, je pense. Je vais pouvoir rencontrer plein de gens de préférence et oui parce qu'il y a un et avec beaucoup de chance. Ouais, avec un peu de chance. Là il y a plein de vaisseaux, ça j'aime. Et avec un peu de chance, ils sont tous pas gentils. Alors toi t'es pas gentil, j'ai envie que t'es pas gentil. Merde t'es gentil, chier. T'es comment toi? Toi t'es pas gentil toi. Merde t'es gentil.
Oh les cobras c'est jamais gentil ça. Je joue en réseau, c'est-à-dire en réseau. Qu'est-ce que tu appelles en réseau? Parce que sinon je peux te dire oui, je joue en réseau, mais je comprends pas ta question. Mais really quoi? C'est fou. J'ai mal aux yeux. Lui, je l'ai pas fait encore, enfin je l'ai pas analysé, on va regarder ça. Oh, oh cette gemme, ah, j'aime bien ce petit bruit là de fiou. Non, il est vierge, toi là-bas. J'ai scanné toi. Deux à l'heure qui sont arrivés. C'est incroyable, sérieusement. Oui, je suis en ligne, j'ai pas le choix en fait. Si j'ai pas internet en fait, je peux pas me connecter du tout. Mais je ne suis pas avec des gens. Non, non, je suis juste livré à moi-même, seul dans l'espace. Tel un mec seul dans l'espace, livré à lui-même. Bon. La SP, t'es gentil, toi? Oh! Alléluia! Scan detected. Mais sérieux, je crois que Elite me troll. J'ai fait des, j'ai fait hier ou avant, enfin vendredi. Vendredi, j'ai fait quelques primes, un peu de commerce, pardon. Et les prix étaient vraiment vraiment bas par rapport à ce que j'ai connu la veille ou l'avant-veille. Et les primes, pareil, je gérais bien. Et là, je sais pas, il galère. Donc j'ai l'impression que Elite me troll en fait en ce moment. Particulièrement désagréable. Autorité, on s'en fout. Je suis un mec vénère. Je vais aller à cet endroit là, tac. Ah ouais. J'aurai plus de choix la prochaine fois. On va se dire ça. De toute façon, je vais reprendre un peu le commerce aussi. Parce que j'ai 8 millions, mais car il y a un mais.
J'ai besoin de 100 fois plus. Lopez de Villalobos Stock. Si ça c'est pas un monstre station bien rallonge comme il faut, je m'y connais pas. Jolie la planète toute bleue. Là, on pourra pas lui enlever. Je fais une chute. On pourra pas lui enlever. Ah, ça, c'est une planète qui est toute bleue. Voilà, c'est la vraie planète bleue. Ah bon. C'est vrai que les petits bruits de carcasse qui se tordent, qui travaillent, on pourrait croire effectivement. Alors, je sais pas comment installer, j'ai mal aux jambes. Donc on va faire le plein. Hop, voilà. Toi tu es indépendant. Bah écoute, tu vas me payer. On va me payer les deux en plus. Oh, c'est bon ça. Du coup, là j'ai plus rien quoi. Ah, j'ai plus que LTT machin. Oh. C'est bien. Bah je vais m'arrêter dans cette station. Qui m'a l'air pas mal du tout. Hop. Et on va aller sur un autre jeu. T'imagines pas le nombre de... Bah, hello ma souris. T'imagines pas le nombre de vaisseaux que j'ai explosé à l'entrée de la barrière et encore plus le nombre de vaisseaux pleins de marchandises. J'en avais pour 2 millions, je crois, de marchandises. Plus la... Comment dire, le coût du vaisseau, etc. 2 millions. Plus j'avais... si je dis pas de conneries... J'avais 3 missions à 150-200 000 à rendre. Donc tu rajoutes 600 000, approximativement 600 000. On va dire 500 000. Plus encore 350 000 de primes. En gros, j'ai perdu 3-4 millions dans le tas, quoi. J'étais trop dégoûté.
Je vais tester le KSP parce que j'aimerais bien quand même qu'il fonctionne. C'est un petit jeu rigolo. Très sympa. Ah ouais, j'ai carrément ragé en plus parce que j'étais limite limite niveau thune à ce moment-là que je venais d'acheter mon vaisseau de transport. Oh, j'avais les nerfs, mais pff, laisse tomber. Sandbox, tac, on va l'appeler test. On va mettre un joli logo. Un truc qui soit bien sympathique. Pas grand chose. En rose violet, je veux dire. Ouais, non, ce sera bien. Accepte. Ouais, non, on s'en fout. Start. Do you want to overwrite it? Yes, I want to overwrite it. Thank you. Alors. Pod. On va mettre une grosse pod. Voilà. Place. Ah, c'est pas mal ça. Ah ouais. Can I use the retool? Ah ok. Putain, ils ont vraiment fait des nouveaux trucs super sympas. Il me faut command and control. Voilà. Non, pod. C'est là les parachutes. Voilà. Mass. Utility. Voilà. Utility, on va être un gros. Gros machin comme ça. Voilà, j'étais parachute. Tu dois faire quoi dans... Alors, Kerbal Space Program, KSP, c'est un jeu de simulation spatiale. En fait, tu vas créer un vaisseau. Enfin, là, en l'occurrence, je vais créer une fusée qui va partir de la planète pour l'emmener dans l'espace et faire après en fonction de ce que je veux. Soit déposer un satellite dans l'espace pour faire une antenne de télécommunication avec un autre satellite, etc. Tu peux faire tout un réseau de télécommunication pour aller sur un autre système solaire et communiquer en fait par radio avec tes automates pour qu'ils t'envoient des données ou que tu puisses les piloter, des choses comme ça. Tu peux aller sur d'autres planètes directement, t'y poser pour chercher des ressources, prendre un peu des informations, etc. Je ferai un stream de toute façon spécial dessus incessamment sous peu avec Hiro qui sera avec moi, qui connaît très très bien ce jeu et qui m'expliquera en détail, et je ne ferai pas le troll, on fera ça sérieusement, qui expliquera aux viewers et qui m'expliquera un petit peu comment ça fonctionne vraiment le jeu, parce que je connais vite fait, mais moi tout ce que je veux c'est faire des fusées et les envoyer en l'air quoi.
Moi, clairement, mon objectif, c'est faire une fusée qui va dans l'espace. Non, je veux pas ça. Il me faut un découpleur. La cassette, elle est où la cassette? Il me faut une cassette. Mobile processing. Non, moi je veux une cassette. Je peux pas avoir. C'est dans quoi la cassette? Pegasus, Immobility et Lancer, non, ouais, non, on s'en fiche. Aérodynamique. Alors, il faut que je mette un hit shield, 1m5, 3m25, non, trop grand. Tu vois, voilà, comme ça, là, ça va être. T'inquiète. Ah, ouais, c'est super génial comme jeu. C'est particulier parce que c'est. Bah, comment dire. C'est quand même pas donné à tout le monde, je trouve, comme jeu. La prise en main est pas facile. Oh, ah ouais, attends. Regarde, bam, c'est un gros. ça fait trop laid. Je vais remettre le parachute. Hop. Donc là, ça c'est la nacelle que j'ai créée où on pourra mettre des bonhommes, des astronautes dedans. La petite coiffe avec le point bleu, c'est un parachute, un très gros parachute. Et par précaution, j'ai rajouté ici sur le côté trois parachutes indépendants. Trois, voilà, qui sont représentés donc ici. Trois parachutes, il y a un petit 3 là. Et ici, on a le ballon de parachute. Là, je cherche un structural, un découpleur. Le découpleur, c'est ce qui va me permettre de faire ce qu'on appelle le staging. Le staging, c'est-à-dire que je vais avoir la partie nacelle, ensuite en dessous je vais avoir la partie moteur 1 par exemple, puis en dessous je vais encore avoir la partie moteur 2, puis moteur 3, ou tout ce que je veux en fait. Voilà, le staging. Track separator, non. What the fuck? Pourquoi je peux pas le mettre là? Mais c'est ça qui gêne. Mais j'en ai besoin moi de ça. Bah ouais, non c'est nul à chier là ce que je fais. Non, je veux que ce soit comme ça. Mouais. Alors, on va. Je supprime tout. Voilà. Je vais charger un truc qui est déjà fait. Alors, je veux un vaisseau de malade mental. Alors, oui, je la commence par le haut parce qu'en fait, le pod ici, là, c'est ce qui constitue le cœur vraiment du vaisseau. Alors, je te fais des signes avec les mains, je parle beaucoup avec les mains, mais c'est ce qui va être le cœur du vaisseau. C'est là où tes astronautes vont vivre. Donc, du coup, tu commences par le haut, puis tu descends au fur et à mesure des étages que tu veux rajouter. Dans la logique, il voudrait effectivement qu'on commence par le bas. Yeah, Coropisnita. Merci pour ton follow. Ah bah voilà. Ça. Ça.
super ça. On a un avion, enfin un avion. Un truc. Ça j'aime bien ça. Allez, on va l'essayer tout de suite. Je sais pas comment pilote les centres d'avion là. Surprise. Les trains d'atterrissage. J'ai l'air d'un con. Oh putain. Yes.
que j'appuie là-haut. Non, G il fonctionne pas. Ah si, mais lol quoi, ça fonctionnait pas tout à l'heure. Merci. J'appuie sur G, ça marche. Tout à l'heure j'ai appuyé trois fois. Il s'est rien passé. Toi ils sont deux dedans. Coucou. Du bonhomme. Essayer de se reposer. Je dis bien essayer.